Yo, comment tu vas? Reçois, por favor. Donc, dans cette vidéo, je vais rapidement te montrer comment tu peux facilement faire le son de NASA. On va mouiller le maillot. Donc, au début, tu as une guitare qui sonne comme ça. Donc, ça, c'est une guitare que j'ai pu trouver facilement dans Purity. Voilà, tu t'envoies dans Guitar et Plugin, tu prends cette guitare en style. Une fois que tu la prends, tu vois que tu peux facilement. Donc, une fois que j'ai joué dans le piano roll, donc après il y a des optimisations de mélodie à faire pour pouvoir facilement avoir une sonorité qui ressemble vraiment à la guitare de basse. Comme par exemple ici dans Edit, tu peux couper la reverb, tu diminues la reverb, et ensuite ici tu peux facilement couper cette zone-ci. Donc c'est comme de la vélocité en fait, tu vois, tu peux facilement couper ici, tu ramènes. En effet. Donc j'ai pris ce même effet. Donc, il s'agit tout simplement d'un effet que tu vas trouver ici. Dans l'it, c'est ce qu'on appelle un tease, quoi. Tu le prends, tu coupes les zones aiguës, tu laisses uniquement les zones basses, tu vois. Donc, et ensuite, ce que tu peux faire, tout simplement, tu vois qu'il y a des brasses qui ont été ajoutées. Une brasse, là ça dépend, je n'ai pas sélectionné la même brasse que eux ils ont utilisé. Donc concrètement tu peux trouver des brasses ici dans Purity. Il y a plusieurs versions de brasses. Voilà, tout simplement tu la prends. Donc si tu veux avoir une sonorité qui ressemble exactement à ce que eux ils ont utilisé, tu peux tout simplement chercher le meilleur instrument qui correspondra le mieux. Donc à défaut, quand tu prends comme ça, tu peux soit essayer de sélectionner tout ceci, voilà, ensuite ce que tu fais, tu descends d'un octave pour tester pour voir. Voilà, donc je vais dans Hypersonic 2, tout simplement, je vais essayer de prendre une brasse là-bas. Il y a plein de brasses aussi ici. On va tester pour voir solo brass, brass session. Donc généralement ici, ce que je vais faire, je vais couper un peu. Donc ce que tu vas faire ici, tu mets tout simplement des kicks. Après tu peux mettre des crashs. Quelques effets. Donc tu vois, c'est un peu comme ça que tu peux facilement t'arranger à refaire le son assez simplement.
Donc, si tu veux en savoir plus sur les instruments Afrobeat, je t'ai réservé une série de vidéos de formation qui vont te permettre de pouvoir, dès aujourd'hui, si tu ne comprends pratiquement rien à l'Afrobeat, commencer à optimiser tes instruments Afrobeat, utiliser les meilleurs instruments utilisés par les beatmakers professionnels. Clique juste dans le lien qui est dans la description pour télécharger gratuitement cette série de vidéos. Sur ce, c'était Paul Favor. Ciao.